Si la vidéo sort, c'est un miracle. Let's go. Ouais l'équipe, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose qui n'était pas prévu. Normalement, c'était une autre vidéo qui devait sortir. J'ai reçu des messages, ouais, faut que tu nous fasses une sélection pour les soldes. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça dans mon planning, mais... J'ai réfléchi, je me suis dit, c'est quand même un bon truc à faire. Et si j'attends trop longtemps, il va plus rester grand chose sur les sites. Donc, on s'occupe de ça aujourd'hui. Comme d'hab, je le répète, plein de refs, tout sera en description. Donc, allez checker ça. Et puis, c'est tout, on y va tout de suite. J'espère que t'es bien installé. En tout cas, si t'es là, c'est que la vidéo t'intéresse. Donc, on s'attrape tout de suite. Avant de commencer, qu'est-ce que je voulais raconter? La semaine dernière, vous avez fait un petit concours pour gagner ces deux petits items, le hoodie champion et le pant Taka. Sachez que j'ai répondu aux gagnants, donc vérifiez bien vos mentions, etc. sur YouTube. Dans le message, j'ai vraiment marqué « Ouais, t'as gagné, machin ». Parce que j'ai commencé à répondre à tous les commentaires. Il y en a qui pensaient qu'ils avaient gagné. Non, si vraiment vous avez gagné, il y aura marqué « Frérot, t'as gagné », voilà. C'était la petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Il y a un peu de tout. J'ai essayé de faire varier des hauts, des bas, accessoires, paires. Je vais essayer de faire le tour rapidement. J'ai mis à chaque fois plusieurs types de hauts, plusieurs types de bas, etc. J'essaie de faire ça bien. Donc voilà, on commence directement avec les hauts. T-shirt, c'était assez compliqué. Vous me connaissez, je porte que la même chose. Ce que j'ai actuellement là, c'est les t-shirts Uniqlo Aerism avec les longues manches. Je vais pas encore une fois rabâcher les mêmes choses, mais vous savez que je porte uniquement ça. J'ai pas de t-shirt avec des imprimés, etc. C'était compliqué de vous trouver des trucs. J'ai été regardé sur Carhartt pas mal, mais vas-y, la coupe, c'était pas ce que je préférais. Donc, j'ai pas trop. Après, je me suis dit, on va regarder sur Asos, mais pareil, il y a peut-être certaines coupes qui passent bien, mais en termes de qualité, c'est souvent du Asos Design. J'ai déjà testé, c'est pas ouf. Donc, pareil, moyen aussi. Je me suis dit, on va regarder sur ce qui coûte cher. Peut-être les promos sont intéressantes. Effectivement, il y a de la promo sur du Jacquemus, par exemple, où t'as quelques petits t-shirts qui passent de 180€ à 130. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de quand même vous proposer quelque chose. J'ai réfléchi et c'est vrai que j'aime beaucoup les t-shirts la marque Scuffers, j'en ai tout plein. Et ça réunit les deux points importants pour moi pour un t-shirt, c'est la coupe et la qualité. Et pour en avoir eu, bah je sais que ça réunit ces deux points. Mais par contre, il n'y a pas de solde. Je me suis rappelé d'un truc, c'est qu'il m'avait passé un code promo, moins 30% la prochaine fois que tu veux te commander quelque chose sur le site, au moins t'as moins 30. Jusque là, je l'ai jamais utilisé, donc je me suis dit, on fait croquer la commu. Le code s'affiche juste ici, dépêchez-vous, il y en a que un. Donc voilà, il y a un frérot, tu vas te régaler. Et mis à part ça, vous pouvez quand même regarder ce que je vous ai cité avant. Carhartt, il y a des trucs cool. Jacquemus, il y a des trucs cool. Si vraiment prendre des t-shirts en solde, c'est quelque chose qui vous chauffe, allez sur Asos. Il y a tout plein de trucs. Mais bon, je me suis dit, vu que pour moi, les t-shirts, c'est pas vraiment une pièce maîtresse, j'ai préféré mettre plus de rêves sur d'autres trucs que sur les t-shirts. Qui fait qu'on enchaîne directement avec d'autres pièces. Et là, on va partir sur des cardigans. D'ailleurs, j'ai oublié de le citer avant, mais pour faire ma sélection, j'ai fait en fonction des sites que je connaissais, etc. Je me suis aussi aidé de Camino TV, de Fitzemol qui partagent la promo à balle quand elle est solde. Donc, bien sûr, vous aurez toutes les refs que je vais vous citer. Mais si jamais vous voulez plus encore, n'hésitez pas à aller suivre les comptes, soit sur Twitter, sur Insta et tout. Voilà, je voulais quand même le citer. Et la première ref sur laquelle je suis tombé, c'était un petit cardigan Lacoste. Le ciel qui rendait vraiment bien. Seul petit bémol pour moi, c'était le croco qui était assez gros. J'aurais préféré que ce soit ton sur ton. Ça aurait été plus discret. Pour moi, ça passait mieux. Mais après, vas-y. La couleur, elle est quand même bien pour l'été. Ça passe. Prix de base 160, soldé à 96. Dans cette sélection, je voulais au maximum essayer d'éviter tout ce qui est fast fashion. Il y en aura quand même. Je préférais mettre en avant des trucs plus qualitatifs, originaux, forcément qui coûtent peut-être un peu plus cher, plutôt que de la fast fashion où, certes, ça va coûter pas très cher. Vas-y, tout le monde connaît Zara, tout le monde connaît Bershka. Ces titres-là, ils vont plus facilement vous venir en tête. Alors que, par exemple, Drôle de Monsieur, je sais pas si ça va parler à tout le monde. Certes, ça coûte cher. Mais si tu veux mettre un billet dans un bon cardigan, il y en a plusieurs qui sont proposés sur le site, soit tout simple ou alors avec des motifs. Franchement, je trouve qu'ils passent tous bien. Par contre, les tarots, ça envoie. Du 237 et du 245, c'est vrai que c'est un billet. Mais de base, le bail, il est quasiment à 400€. Ça reste une promo qui est pas mal, même si le prix global, bah, ça reste cher. C'est souvent du made in Europe. Au moins, c'est déjà pas fait en Chine, ça c'est cool. Tout comme ce cardigan Ami bleu marine qui passe vraiment bien. J'ai eu des retours de la commu en termes de qualité, c'est vraiment top. Ça passe de 410 à 287. Donc, si vraiment tu veux investir dans un bon cardigan, tu peux penser à celui-là ou même au beige. J'avais pris le même en version pull. Bon, au final, je l'ai revendu parce que la coupe, je l'aimais pas. Mais je crois que la coupe des cardigans, elle me le convient mieux. Donc ça peut être un potentiel futur achat. Le bleu marine, je préfère en tout cas. D'ailleurs, il existe aussi en pull sans manche et ça me permet de faire la transition vers une autre catégorie. Les moins chers, ils passent de 295€ à 207. Et il y a deux couleurs en plus que celle d'avant, un noir et un blanc. Peut-être plus facile à associer si jamais. Voilà, vous allez me dire, frérot, t'es en train de nous allumer sur les tarots. Vous inquiétez pas, j'ai quand même des trucs moins chers. Et on peut directement se diriger vers Kos qui a soldé un bon gilet zippé que je me suis pris d'ailleurs. Il se présente comme ceci. J'avais fait un petit tour en magasin et j'avais pris quelques photos.
photos, vous étiez grave chaud sur Instagram. C'est le genre de pièce qui habille grave une tenue, qui donne un truc en plus, on va dire. Et pour 40€ au lieu de 100, je trouve que c'est une bonne affaire. C'est du 100% laine. Par contre, le seul petit bémol, c'est qu'il taille assez long. J'ai fait une petite technique, je le rentre, le plie vers l'intérieur pour que ça soit plus court. Pour apporter un nouveau flow à vos tenues, ça peut être pas mal. J'en ai trouvé des moins chers encore sur Weekday. Un premier qui est bleu et fait un peu jean comme ça, qui passe de 45 à 28€. Weekday, on va en reparler dans la vidéo. Il y en avait un autre qui était un peu plus fin, celui-ci. En deux coloris, un beige, un noir. Mélange de lin et de coton, donc je pense que c'est plus approprié pour les grosses chaleurs. Et ouais, je suis de plus en plus en train de me tourner vers ce genre de bail où quand tu casses ça, ça rapporte un truc en plus à ta tenue. Et au final, t'as pas vraiment fait grand chose de plus. Si jamais vous êtes pas trop sûr du délire, vous pouvez partir sur du Weekday, sur du COS, qui seront pas trop chers. Et si jamais vous êtes à l'aise avec le bail, vous pouvez partir sur les trucs plus chers. Au moins, vous êtes sûr que ça va vous convenir. Dernière petite ref, marque indé française, Walking Paris. Pareil, bah des pulls sans manches. Premier ref, un linge un peu quadrillé, brun, qui a vraiment un aspect vintage là pour le coup. Il passe de 125 à 75€. Il reste pas mal de taille, donc ça vous intéresse, allez-y. Et une seconde ref, un peu plus simple. On est toujours sur la même forme, mais par contre là, couleur unie, ça passe de 75 à 45€, donc on n'est pas trop cher. Et puis il y a d'autres couleurs, je vous laisserai aller voir sur le site. Et on change directement de catégorie. On passe au pull slash veste. Là je vous ai pas sorti grand chose puisque vas-y c'est pas trop la saison, mais je me dis que début de soirée fait un petit peu plus frais, ça peut se caler. Là ça va coûter un petit peu plus cher. On a d'abord un pull diesel en mohair, je le trouve incroyable, avec du bleu, du orange, le dos il y a du jaune fluo. C'est assez spé au niveau des couleurs, mais je trouve que le tout rend bien. Il passe de 295 à 197€. Ça peut être l'occasion de préparer l'automne si jamais vous aimez bien le délire. Et la deuxième ref que j'ai là, c'est une veste que je me suis prise d'ailleurs. Elle se présente comme ceci, de la marque T-Coat. Je connaissais pas du tout, je suis tombé dessus par hasard et quand je l'ai vu je me suis dit non, elle envoie trop, il faut que je la prenne. Là il y a des petits boutons, la matière elle est un peu en mode éponge et elle est assez crop. Je l'ai pris chez les meufs mais je trouve que le rendu il envoie terrible. Je vais d'ailleurs essayer de vous faire une photo sur Insta, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira mais je vais essayer de faire ça au plus vite. Franchement ça a été un petit coup de cœur, je l'ai quand même payé un petit billet, 237€. C'est du made in Italy, ce qui peut expliquer le tarot. Et je me suis dit vas-y, c'est une pièce que j'ai pas du tout, quand même assez forte, que je vais pas sortir tout le temps. Et puis voilà pour cette petite partie de veste slash pull. Et on enchaîne directement avec mes chemises. Là je suis content, j'ai réussi à vous trouver tous les budgets. On commence directement avec ce qui coûte un peu. C'est une chemise Ami Paris, je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus quand. Et là, elle est passée de 195 à 137€. Je vous avais dit que ce que je kiffais le plus dans cette chemise, c'était la coupe. Assez boxy à l'avant, manche longue, à l'arrière, c'est un petit peu plus long. Et c'est ça qui m'a fait craquer, puisque oui, je me la suis prise. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas pour ça. Et il y avait aussi un autre modèle, là, est encore un petit peu moins cher. Elle passe de 250 à 125€. Et pareil, ce que j'aimais là aussi, bah, c'était la coupe, qui est la même que celle d'avant. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important dans le choix de ce que j'achète. Là, on est de retour sur les marques indé et là j'ai vu que Waze avait soldé une petite chemise. Là aussi la coupe elle est comme j'aime, manche bien gelard, pas trop longue et puis le prix il est beaucoup moins cher que celle d'avant. On est sur 65€, mais attendez, Kreska 10, je mange pas la routine 10. Ah ah. La chemise elle est de base au prix de 75€, en solde elle a 65 donc elle prend 10 balles, mais ah, j'ai pensé qu'il existe des influenceurs qui ont des codes promo. Bah, j'ai essayé Greska 10, ça marchait pas. Mais avec la routine 10, tu grattes encore un petit peu d'argent. 6,50€, ce qui te fait passer la chemise à 58,50€. Au final, ça fait un peu plus que la vraie promo. Je vous fais croquer, c'est cadeau. Et je voulais t'emmener sur une dernière. Cette fois-ci, c'est une Uniqlo qui passe de 39,90€ à 9,90€. Vu la taille de la promo, il reste pas grand-chose que du XS et du S. Mais je trouve que dans une tenue, celle-là, elle s'accorde bien. Je pense que si t'arrives à la prendre oversize, donc pour les petits gabarits là, ça peut vraiment bien rendre. Alors pour les bas, deux types de refs, les shorts, les pantes. On commence directement avec les shorts. J'ai d'abord trouvé un petit short carpenter de la marque Levi's. Je regarde pas souvent ce qu'ils font. Et j'en ai trouvé un bleu comme ça qui rendait, bah, il rend grave bien. Il passe de 59 à 41 balles. Il reste pas mal de taille. Après ça, short cargo. Là, on est sur du Carhartt classique. Ça, c'est cool de le choper en solde parce que souvent ils allument sur les tarots. Là, on passe de 99 à 69. Petit 30% qui met bien. Il y a une autre couleur qui est soldée. Et en plus, il y a toutes les tailles. Donc, faites-vous plaisir. Dans la sélection, je voulais vous mettre un t-shirt en jean, un petit short cargo. Pour l'été, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est bail en lin, etc. Mais moi, c'est pas du tout mon délire. Donc, il y aura pas ça dans la vidéo. Par contre, j'aime bien tout ce qui est short en coton. Et j'ai encore trouvé une bonne promo sur Weekday. Là, on est sur du gris clair avec un liseré à l'avant. Il passe de 30 à 9€. Ça, c'est vraiment de la singerie. Il reste du M, du L, du XL. Weekday,
vraiment une bonne ref. Et je voulais terminer sur un short gris vraiment coton, vous voyez le basique. Cette fois-ci on est sur Asos et j'ai trouvé un petit short champion qui était de base à 65€. Il passe à 49, mais en plus il y a 15%. Dépêchez-vous sur ce genre de sol où il y a encore un truc additionnel, parce que c'est souvent des opérations qui durent que quelques jours ou qu'un week-end. Si vous étiez à la recherche de ce genre d'article, ne dormez pas, direct après la vidéo, allez voir. Pour les pentes, même procédé, j'ai différentes coupes, différentes formes à vous présenter. La première, un petit jean avec des motifs. Là, on est sur la marque Represent. Je vais vous en reparler plus tard dans la vidéo, mais ils ont fait vraiment des bonnes soldes. Sur ce modèle, on a deux couleurs, un beige et un noir. Sur les deux coloris, il y a vraiment beaucoup de taille qui reste. Et la promo, elle est vraiment intéressante. Ça passe de 210 à 65€. Et si vraiment tu veux, bah, tu peux même accorder ça avec un haut, puisque bah, ils vendent une veste qui va avec. Represent, vrai délire, on en reparle juste après. Dans la vidéo où je refaisais tout mon dressing, vous avez présenter un petit cargo qu'au final j'ai pas gardé parce que la coupe elle était pas assez large pour moi, mais dans les commentaires vous avez bien kiffé. Et ben justement ce cargo il passe en solde 120€ à 83. Si vous voulez vraiment investir dans des sapes sur le long terme, Carhartt c'est vraiment un bon délire. Là encore il y a plusieurs couleurs, si jamais ça vous chauffe n'hésitez pas directement à aller voir tous les liens qui sont en description. J'ai trouvé aussi un Carpenter qui passe de 110 à 76€. La coupe elle est pas hyper large, elle est un peu plus resserrée, mais bon c'est pas slim non plus. Si vous voulez un bail où vous avez plein d'espace, j'ai trouvé sur Bershka un baggy Carpenter que je me suis d'ailleurs pris, puisque le prix final était vraiment bas. J'ai payé 15€ pour ce modèle vraiment large. De toute façon je vais vous mettre des petits plans portés. À l'arrière on retrouve la petite sangle caractéristique des Carpenters. Ici il y avait un petit patch qui était cousu Bershka, mais vu que je l'aimais pas j'ai décousu, comme ça on voit pas. Et il me semble qu'il y avait d'autres couleurs aussi, alors je sais pas s'il restait des tailles, mais il me semble qu'il y avait un beige clair et un beige un peu plus foncé d'ailleurs que j'ai raté, puisqu'il y a tout qui est dispo sauf ma taille. Voilà, des articles chers, des articles moins chers. Je vous ai dit que j'allais essayer de faire assez large. Pour les jeans, c'était assez compliqué de vous trouver de la marque indé, mais j'ai quand même réussi. J'ai découvert la marque Chazo et il y avait un jean imprimé qui est incroyable, avec toute une jambe avec des visages, des motifs. Seul bémol, il reste que du 44, sinon je vous l'aurais déjà présenté là comme ça. Il passe de 150 à 90€. Il y en a un deuxième soldé de la même manière, cette fois-ci il reste pas mal de taille, du 38 au 46, donc faites-vous plaisir. En plus ça donne de la force aux créateurs français, donc que demander de plus. Et on termine tous ces bas avec une dernière petite ref. Là on est sur du Zara, un pantalon battle et la coupe elle est vraiment bien. Il est bleu marine et passe de 49 à 26€. Encore une petite ref qui peut vous mettre bien. On passe directement à une nouvelle catégorie. Cette fois-ci, on est sur les paires. Première paire, certainement celle que je vais me prendre dans pas très longtemps. On est sur New Balance 990 V3 Teddy Santis. Coloris un peu beige, kaki, comme ça, je trouve qu'elle est vraiment énervée. Elle passe de 250 à 199€. Mais je sais que Tonton Gibbs a un code promo, je vais vous le noter là pour être sûr. Ça vous donne encore 10% en plus sur votre commande, donc ce qui fait passer la paire de 199 à 179€. Ça reste cher, mais pour du New Balance, pour du Made in USA, franchement ça passe. Donc je vous conseille de pas trop perdre de temps. Vous l'avez vu à ma dernière photo Insta, je commence à être dans les bails de Doc Martens et tout. Là j'en ai trouvé un autre modèle qui passe de 200€ à 151. Et en plus il y a moins 15% comme je vous l'ai dit avant. Donc au final tu peux te trouver avec une petite paire de Doc à 128€. Franchement c'est correct, en plus c'est de la bête de qualité. Si vous êtes dans ce délire, pensez-y. En préparant la vidéo, je suis tombé sur une Birkenstock en collaboration avec Fear of God. Elles sont de base à 315€. Celle qui a attiré mon attention, c'est plutôt une grise effet un peu feutré que j'ai trouvé à 187€ sur Lizavia Roma. En faisant plus de recherches, j'ai vu que sur BSTN, elle passait à 180€ grâce à un code extra 20. Encore une fois, dépêchez-vous parce que je ne sais pas s'il va rester très longtemps ce code. Et ça me permet d'enchaîner sur ce site magique qu'est BSTN. Je vais vous faire défiler tout ce qui est en solde sur le site, mais il y a vraiment plein de bonnes refs et surtout des bonnes affaires, puisque avec le code extra 20, t'as 20% de réduction en plus sur tout ce qui est déjà soldé. C'est vraiment une bonne promo. T'as de la Air Max 1, t'as de la Jordan 1, t'as de la TN, t'as des Salomon, t'as de la 1906R, t'as de la 550. Enfin bref, ce que je peux vous conseiller, c'est dès que la vidéo elle est finie, vous allez sur BSTN, parce que mis à part toutes ces paires, il y a aussi beaucoup de sapes. Et à part ça, il y en a aussi deux autres. C'est Phenom, site français où la livraison elle est d'une rapidité, mais c'est une dinguerie. Là aussi, t'as de la Jordan 1, t'as d'autres paires d'Air Max 1, encore du roi, de la 990 V6, la Nocta Terrascape. Donc Phenom, vraiment pas à négliger. Et enfin sur SNS c'est pareil, de toute façon c'est toujours les collections précédentes qui sont soldées, donc vous retrouverez à peu près les mêmes items sur chaque site, plus ou moins soldés. Après ça c'est, voilà, il faut trouver la bonne affaire. Et on termine enfin par les accessoires. Premier ref, c'est tout simplement ce petit bonnet que j'ai sur la tête. Oh, c'est en été, il faut pas mettre de bonnet, on s'en fout. On est là pour la frime. Même si mon daron il me dit ouais la honte et tout, sur un cabonnet en été, c'est pas grave, nous on est là
pour les cams. Bref, petit bonnet Cos qui passait de 40 à 20 euros. Très stylé, j'avais pas de casquette, bonnet bleu, donc j'en ai profité. J'ai aussi fait un petit tour sur Jacquemus, tout ce qui est casquette, chapeau, bob. Il y a plein de soldes intéressantes. Mais moi, je me suis cliqué une casquette, c'était celle-ci qui arrivait à la maison. Mais malheureusement, la forme, elle fitait pas trop avec ma tête. Donc j'ai préféré renvoyer. La promo était pas trop mal, ça passait à 60 euros. Ok, ça m'a pas plu, mais peut-être ça peut intéresser d'autres personnes. En marque un peu luxe, premium, il y a aussi Etude Studio qui font des bons couvre-chefs, notamment aussi bob et casquette avec le E accent aigu de Etude. Je trouve qu'elles sont simples, mais qu'elles rendent vraiment bien. Il y a aussi une collab avec Jean-Michel Basquiat sur des produits en jean comme ça. Ça peut avoir un petit délire. Si jamais, voilà, je vous glisse ça. Et enfin, tout à l'heure, je vous avais parlé de Represent qui faisait des vraiment bonnes promos. J'en ai profité puisque je me suis pris deux petites casquettes New Era. Une première brune avec le R à l'avant, le petit New Era sur le côté et à l'arrière, encore une fois, le logo. Et deuxième modèle qui est comme ça, crème avec la visière brune et même disposition sur le côté et à l'arrière. Point important à prendre en compte sur ces casquettes, c'est qu'il faut absolument connaître sa taille. Si vous n'avez pas votre taille et que vous faites un peu au hasard, ça risque de pas aller. Si vous avez l'occasion, essayez d'abord de trouver votre taille vraiment en magasin ou quoi que ce soit. Et ensuite commandez. La promo faisait passer les casquettes de 60 à 30 balles. Le bonnet, je vous l'ai présenté. Ah oui, c'est vrai. Là, je pense que je vais commencer à rentrer dans le délire des bérets. Il y a un bail à la bébé Jacques un peu. J'ai fait une petite recherche. Je savais déjà qu'il y avait des bonnets Kangol qui existaient. Mais j'en ai pas trouvé pour l'instant qui me convenait. Et surtout, ils étaient pas en solde. Ce qui m'est venu en tête tout de suite, c'est Lacoste. Béret Lacoste, assez connu. J'en ai trouvé un qui passait de 80 à 48 euros. Mais vas-y, ça fait trop contrôleur SNCF. Donc, j'en ai trouvé un Kenzo qui, comme ça, en photo, je trouve qu'il envoie. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Le logo Kenzo qui est cousu à l'arrière. Le petit détail, surtout au-dessus, Kenzo Paris. Il passait de 210 le béret à 126. Ça reste cher, mais je me suis dit, je suis capable. Mais en fait, j'ai cherché des photos portées et j'ai peur que ça rentre pas comme je veux. J'ai peur de ressembler à Ratatouille, donc je sais pas encore si je vais me prendre ça. En tout cas, c'est dans ma tête. Le petit béret, ça peut être un délire. Et enfin, pour terminer cette vidéo, vous me parlez souvent de cette sacoche COS que j'ai tout le temps. C'est vraiment ma sacoche du quotidien que je trimballe partout. Je me suis dit, pourquoi pas leur trouver des sacoches un peu similaires, puisque vous me demandez tout le temps la rêve de celle-là, mais il n'y a plus. J'ai trouvé sur Zara ce modèle qui passe de 40 euros à 19. Très ressemblant à ce que je viens de vous montrer. J'ai l'impression qu'au niveau des proportions, c'est à peu près pareil. Ça peut être pas mal. Et sinon, qu'on voit peut-être un peu plus sur les réseaux, il y a celle-ci de chez Arte qui, pour le coup, elle est vraiment balèze, on dirait un sac d'ordi. Elle passe de 100 à 60 euros. Donc là, c'est un petit peu plus élevé le budget. C'est peut-être un mix entre le modèle que je viens de vous présenter et les vraiment les gros bails, les grosses besaces qui ressemblent à ça d'ailleurs. Petite rêve de chez COS comme ça. Ça peut être un mix entre la forme, on va dire, de la mienne et la grosseur de ce que je viens de vous montrer. Donc voilà pour cette petite, même longue vidéo, je pense, parce que là, ça fait plus d'une heure que je suis en train de tourner. J'espère avoir été assez large, vous avoir présenté le maximum d'items assez différents quand même et surtout accessibles pour tous. Je sais qu'à des moments j'ai présenté des trucs assez chers, mais si jamais vous avez trouvé d'autres articles qui sont moins chers et auxquels j'ai pas pensé, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Je vous y attends d'ailleurs pour partager tout ce que vous avez trouvé en solde. Si jamais vous portez certains produits en solde que vous avez trouvé et que vous en faites une photo sur Instagram, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Flaco Outfit. Si jamais vous avez pas vu passer ça, c'est un peu l'hashtag communautaire, comme ça on voit les outfits de tout le monde et tout. Moi aussi je vais essayer d'aller vous faire une petite tenue comme je vous l'ai dit avant, avec peut-être la veste bleue. Je pense que ça va être ça. Voilà où cette petite sélection solde se termine. Si t'as kiffé, comme d'hab, like, partage, commentaire, etc. Bref, t'as compris la chanson. Normalement, on se capte la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les mecs.